bitch, I do it for my hometown. I suicide by my city, that means when I blow up, I'm taking all of you with me. My first name ain't Byron, but I'm the only one left, which means I'ma do it till I die in my death wish. Is to kill the mic in my ears, make me scarier. This is man versus wild, do not grill me, cause I will release the bear on ya. Shoot for me. Eh bien c'est tout le monde les gens, c'est Max. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais vraiment très très bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour complètement supprimer votre compte bancaire, en tout cas votre carte bleue sur Amazon, puisque si vous faites des achats sur Amazon, vous devez savoir que si vous achetez quelque chose et que vous rentrez votre carte bleue, etc., cette carte bleue va être enregistrée dans votre compte. Donc il n'y aura que deux étapes, ajouter au panier et passer la commande. Donc ça ferait vraiment très très peu de temps. Imaginez un enfant un enfant de 5-6 ans qui va sur Amazon sur votre compte et va acheter tous les jeux de Noël qu'il veut, etc. Je pense que ça fera très très mal au porte-monnaie. Donc voilà, donc c'est très très simple. Vous allez aller dans cette petite truc, vous allez aller dans votre compte. Voilà, là ils vont vous demander de vous le connecter normalement. Sinon vous allez descendre et vous allez dans moyens de paiement, juste ici. Après vous allez faire gérer vos moyens de paiement et vous pouvez voir qu'il y a type, numéro d'expiration et d'expiration et tout le bordel, et vous aurez juste à faire supprimer. Voilà, vous faites valider et donc votre carte bancaire est complètement supprimée d'Amazon. Donc le petit inconvénient c'est que vous allez devoir remettre tout ce qu'il y a écrit sur votre carte bleue à chaque achat. Donc imaginons que vous achetez par exemple un petit CD à un moment et que vous avez fait cette manip juste avant. Ça peut être vraiment chiant de tout le temps remettre. Donc voilà. Malheureusement, il n'y a pas de sécurité. Vous êtes soit obligé de supprimer, soit de garder votre carte bleue. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.